L'unité d'intervention brève, c'est un service qui est offert pour des personnes qui se présentent à l'urgence, pour lesquelles leurs conditions de santé mentale, ils sont en période de crise. Donc, on leur offre une accessibilité rapide. Quand les gens se présentent, ils peuvent avoir une hospitalisation pour un maximum de 72 heures, dans lesquelles ils vont rencontrer travailleurs sociaux, psychiatres, infirmières, infirmiers. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment de stabiliser leur situation, être capable de retrouver, de remettre en place des solutions pour que les gens puissent retourner dans la communauté. Retourner dans la communauté, mais avec le soutien de l'équipe de la santé mentale. L'unité d'intervention brève, c'est une très, très bonne nouvelle pour la population de Champlain-Charlemagne, puis pour l'hôpital de Charlemagne. Présentement, quand quelqu'un arrive à l'hôpital puis il va pas bien sur le plan de la santé psychologique, bien, il reste à l'urgence. Alors, l'arrivée de l'unité d'intervention brève, bien, ça permet aux gens puis à une hauteur d'une dizaine de lits qui sont disponibles pour la population jeunesse et adulte, de recevoir des soins dans un environnement qui est paisible, qui est sécuritaire, puis qui est adapté. Puis les soins qui sont offerts le sont par des équipes en santé mentale. Donc, il y a une spécialité là auquel les gens ont accès. Le séjour est court, mais le suivi demeure. Une fois que les gens sont apaisés, que les choses vont un peu mieux, mais là, les gens peuvent retourner dans la communauté, puis le service se poursuit, mais à ce moment-là, à partir du domicile.